Bonsoir les amis, bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur ma chaîne, mes différentes chaînes sur les réseaux sociaux. Bonsoir les gilets jaunes, bonsoir le peuple français, bonsoir tous les peuples du monde. Nous devons nous unir entre patriotes pour pouvoir nous libérer en tant qu'esclaves. C'est la révolte des esclaves, mes amis. Alors un instant. Je n'ai pas encore partagé sur mon groupe. Euh, ben je le ferai plus tard. Euh, alors, avant de commencer donc, cette partie 2, et aussi euh, s'attarder sur cette terroriste intellectuelle, cette pseudo-avocate euh, Samia Maktouf. Eh bien, je tiens euh, à faire trois éclaircissements par rapport donc à la partie 1 par rapport au live d'hier. Euh, trois éclaircissements et euh, dans une correction. Alors d'abord un éclaircissement. Je vous avais parlé du, de l'attentat du Bataclan qui était codé dans une une de The Economist, c'est pas la première fois que j'en parle et même je ne suis pas le seul à en parler. Alors, je vais peut-être pouvoir partager. Voilà. Voilà, c'est partagé. Euh, donc il s'agissait pas de la de The Economist 2016 mais bien de 2015. Je vous rappelle que les couvertures euh, des économistes sortent un an avant donc celle que vous voyez l'économiste euh, 2015 est, so est sorti fin 2014 comme d'habitude et je vous rappelle que l'attentat euh, du Bataclan il a eu lieu le 13 novembre 2015 ça veut dire un an après et où est ce qu'il est codé si vous n'avez pas suivi euh, aucune explication auparavant, je vous le remontre, c'est tout en bas ici, là où vous voyez la petite fille, et vous avez deux fléchettes qui n'ont rien à faire ici, et sur les deux fléchettes, les flèches, il y a des chiffres dessus, pareil, euh, on n'a jamais vu ceci dans une autre une de The Economist. et ici vous avez un tableau, je vous ai dit hier, ce tableau était au Louvre, ce qui indique la ville et les chiffres. Donc, si on agrandit, regardez les chiffres. Si vous les replacez, 11, euh, 5, 11, 3, si vous enlevez les points et vous replacez les chiffres, vous obtenez 13, 11, 15, le 13 novembre 2015. Voilà, donc ça c'était un éclaircissement. Euh, ensuite, euh, une correction. Alors, la correction, les amis, c'est que j'ai mélangé deux entreprises. Alors, on va voir ça ensemble. Et vous m'avez pas corrigé, donc euh, je m'en suis aperçu. Donc voilà, vous rappelez, on avait parlé de euh, Yasmine euh, Wirhan, Wirhan, élue jeune européenne de l'année. Voilà, juste pour euh, encore une fois nous faire chier. Euh, donc euh, euh, l'association, la fondation, c'est la Schwarzkopf Foundation Young. Europe euh, et non, euh, comme je l'avais indiqué hier, Zvarovski. Hein Donc euh, voilà une précipitation de ma part, ce qui ne change rien, bien entendu, au fond. Donc il y a une distinction. Euh, voici Zvarovski que j'ai désigné hier qui n'est pas l'entreprise en question Je vous avez dit qu'ils font euh, des bijoux euh, particulièrement avec du verre taillé mais pas que hein. donc voilà Swarovski et euh, voici Voici Schwarzkopf qui, qui est bien celle dont la fondation a décerné ce ridicule prix. Donc euh, voilà, Schwarzkopf, vous, vous connaissez les boutiques Schwarzkopf, les salons de coiffure et les différents produits dérivés qu'ils vendent et les pubs, voilà. Là, vous, vous reconnaissez certainement ici les pubs à la télé, etc. Donc c'est bien eux qui ont décerné ce foutu prix. Voilà. Donc ça, c'était une correction. Ensuite, une, on va dire une promesse. Je vous avais promis de trouver euh, la vidéo, si vous vous rappelez, euh, où, justement, cette Yasmine Wirharan euh, s'exprime que hier, je n'ai trouvé euh, uniquement que sur un fond de musique et elle mutée. Donc là, j'ai récupéré la vidéo où elle parle. Et comme je voulais vous la diffuser hier... Bah, je vous la diffuse. Et après, on avancera. Ce qui est bien, c'est qu'il la sous-titre. Allez, c'est parti, les amis. Pour certaines personnes, je représente une, la cristallisation de toutes les peurs euh, qu'ils ont. Cette étudiante italienne a été la cible de l'extrême droite. En mars dernier, Yasmin Wiran, 23 ans, Élève à Sciences Po Bordeaux, annonce fièrement sur les réseaux sociaux qu'elle a remporté le prix de la jeune européenne de l'année remis par la Fondation Schwarzkopf. Ce prix récompense ses engagements en faveur des migrants et de l'égalité femmes-hommes en Europe. Mais Marine Le Pen n'aime pas ce qu'elle voit. Pour lancer sa campagne des Européennes, elle s'en prend à la jeune femme. Elle utilise sans autorisation la photo postée par l'étudiante et écrit à tort que le prix est décerné par l'Union européenne. Surtout, elle associe Yasmin Ouiran à une musulmane prônant un islam radical. Ce qui est complètement faux. Blessée par la polémique, Yasmine a d'abord choisi de ne pas en parler. Aujourd'hui, elle a accepté de revenir sur cet épisode. J'ai été attaquée par euh, certaines personnalités politiques, que je ne souhaite pas nommer. Et euh, oh. j'ai été aussi euh, attaquée en conséquence par des centaines et centaines, et même des milliers de personnes, d'inconnues, mais des personnes qui avaient peur de moi. Puisque pour certaines personnes, je représente une, la cristallisation de toutes les peurs euh, qu'ils ont. Donc un citoyen moyen en France ou en Europe qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas euh, les femmes qui comme moi euh, sont nées en Europe mais qui, sont, qui ont des origines différentes, euh, ils ont peur, ils ont peur. Alors soit on, on nous voit comme des femmes opprimées, soit quand euh, des personnes comme moi arrivent à accéder à, à, des, à des positions de pouvoir ou alors à réussir à faire entendre leurs paroles ou à gagner des prix comme c'était le cas pour moi, on est souvent euh, discriminé et on fait peur parce qu'on a ce pouvoir. Yasmine préfère aujourd'hui se concentrer sur ses études et son engagement militant, mais elle a tout de même décidé de porter plainte contre Marine Le Pen. Ça a commencé à être un fardeau pour moi. Ça m'a pesé très lourd puisque d'un coup j'ai reçu. Beaucoup de haine, d'insultes, parfois des menaces. Euh, donc, euh, oui, ça m'a impacté. Non seulement psychologiquement, mais aussi dans mon quotidien, parce il faut le dire, j'ai 23 ans, je suis une étudiante. Euh, aucun étudiant ne s'attend à devenir d'un jour à l'autre la cible d'un parti euh, de se retrouver à se googler pour voir s'il n'y a pas d'autres articles ou blog qui vont inciter à la haine et, et la diffamer. C'était triste puisque ça a un peu crispé mon prix finalement. Moi j'ai gagné un prix que j'ai euh, peiné à avoir, c'est-à-dire c'est le fruit d'années de, d'engagement et d'engagement de, de, pour la paix. C'est ce que j'ai toujours défendu, de travailler contre la, à la, pour la prévention de l'extrémisme violent et j'ai dit souvent en toutes ses formes puisque je me bats contre l'extrémisme violent à la fois religieux, donc d'une idéologie religieuse, mais à la fois l'extrémisme violent d'extrême droite. Le pire, c'est quand on m'associe à, à des idéologies meurtrières qui ont touché notre pays. En 2015, quand notre capitale a été... En... Donc là, je vous rappelle qu'elle est italienne et marocaine. Donc elle parle de notre pays. Euh, on va pas lui enlever mais euh, à côté de toutes les conneries qu'elle dit ça ça fait beaucoup et euh, effectivement elle dit euh, je veux pas qu'on qu ait peur de moi et eh bah ben, écoute euh, moi tu me fais peur tu me fais peur parce que t'as pas l'air très au courant de tout tu es manipulé comme plein d'autres et euh, au travers de toi on manipule plein de jeunes cerveaux et même de cerveaux endoctrinés plus âgés. Elle a été attaquée. J'étais dans, dans la rue et manifester pour la paix. J'étais dans la rue et j'étais dans les quartiers pauvres à appeler à l'inclusion, à chercher de faire dialoguer les personnes. Je vous avais parlé de ça hier, donc euh, l'inclusion pour elle, c'est euh, euh, l'intégration. Voilà. Euh, vous remarquerez qu'en 2015 elle a été partout, elle a été donc euh, euh, lors de l'attentat, mais aussi dans les cités, un peu partout, pour prêcher la paix. Et euh, là vous voyez écrit à l'écran, détruire les peurs. Je ne sais pas si le mot détruire est approprié. À ah, détruire ses peurs. Je voulais que les gens n'aient pas peur. Des personnes comme moi. Yasmine est tout, sauf l'islamiste radical que Marine Le Pen a fantasmé en voyant sa photo. Merci David. Non, c'est une étudiante qui parle cinq langues et qui a fait le tour du monde pour défendre ses projets. Elle rêve de lancer une entreprise sociale en France pour aider les jeunes à s'engager. N'en déplaise à ceux qui veulent. Donc toi, t'as été avec elle, David. Elle a fait le tour du monde, t'as été avec elle. Parler à sa place, elle qui se définit comme laïque, considère que la religion est une affaire personnelle et défend la liberté pour chaque femme de disposer de son corps. Il y a voile et voile. Moi, je n'ai jamais, mais jamais, mais jamais déclaré dans mon engagement public et pourtant j'ai pris la parole à Nairobi, à New York, à Paris et tant... Mais arrête de déconner, tu le portes, le voile. Donc euh, ce n'est pas, tu n'en as, ja, as, euh, as jamais parlé. Tu le portes, tu n'as pas besoin d'en parler. Et dans tant d'autres endroits à Bruxelles, je n'ai jamais dit dans mon engagement que mon voile a une association religieuse. Quand on associe à les Non, tu portes le voile en fait, comme dit Bigard, c'est parce que tu aimes le tennis. La politique ça me fait rire puisque moi je suis laïque et je l'ai toujours été, je le serai toujours et euh, si cela ne plaît pas, je suis désolée. C'est un choix que j'ai fait. Il y a un grand travail à faire pour faire en sorte que. Le problème, c'est que tu adores passer dans les médias et gagner des prix. Donc, on est obligé de te critiquer. Ces personnes comprennent que je peux être celle que je suis et porter des valeurs qui sont les miennes. C'est-à-dire des valeurs universelles que je défendrai toujours, comme la dignité, comme la, dignité, la liberté d'une femme de s'habiller comme elle veut. Et j'ai été attaquée. Par des personnes qui ne sont pas sûres de mon identité, mais moi je le suis. Yasmine est le visage d'une jeunesse européenne engagée. Euh, je suis pas certain que tu sois sûr de ton identité. Hein. T'as 23 ans, on verra dans quelques années. Diverse et qui veut contribuer à une Europe plus ouverte et plus juste. C'est peut-être ça qui déplore Rassemblement National, mais c'est aussi pour ça qu'elle est la jeune européenne de l'année. Ah. catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Alors, revenons euh, à, euh, à Samia Mactouf. Donc, je vous en ai, je vous en avais parlé hier. Je continue à vous en parler aujourd'hui. Donc, euh, sachez que elle a eu plusieurs faits d'armes que bien entendu les merdias vous, euh, vous cachent sciemment. Euh, sachez que euh, elle a œuvré pour l'annulation la, de la programmation de Medine. C'est un chanteur, franchement, je ne connais pas ses chansons. Hein. Euh, au Bataclan. Euh, et elle a dit que c'était l'éloge du meurtre de masse. Alors c'est un chanteur, bien entendu, qui euh, les patrons du Bataclan euh, l'ont programmé, d'accord euh, Et elle, elle arrive euh, sous couvert d'être l'avocate de quelques familles, hein, pas de toutes les familles. Hein. On a vu plein de déclarations de familles de, de victimes du Bataclan vraiment des déclarations euh, pacifistes qui dénoncent euh, les manipulations d'État. Euh, donc elle n'est pas l'avocate de toutes les familles. Euh, moi j'aimerais bien savoir quelles sont ces familles dont elle est l'avocate et qui sont parties. Euh, donc lui donner un chèque supplémentaire pour qu'elle aille interdire ce chanteur médine de se euh, produire au Bataclan. Moi je, enfin, je pense qu'on ne trouvera pas. Hein. Elle, elle s'auto-saisit euh, pour passer dans les merdias. Donc voilà, juste une capture d'écran. Donc là où elle a fait le défilé, ça lui permet d'exister. Voilà, une petite capture d'écran. Bien entendu, elle parle au nom des familles. Je ne suis pas certain euh, que les familles des victimes euh, du Bataclan euh, auraient euh, souhaité l'avoir sur tous les plateaux, tout le temps, parler en leur nom, et en tout cas interdire des, des chanteurs. Je veux dire, elle va, elle va être à l'affût de tout ce qui va passer au Bataclan durant je sais pas les 20 prochaines années dès qu'il y en a un ou une qui vont pas lui convenir elle va aller dans les médias dire non non tu peux aller te produire ailleurs mais pas dans le Bataclan c'est hallucinant pour quelqu'un encore une fois qui se dit euh, défenseuse de la vérité défenseuse de l'expression défenseuse de Charlie etc vous verrez que cette femme c'est une marque de fabrique hein, de, 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 du système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cette femme pratique en permanence un double jeu, un double langage, une double pensée. Euh, elle met en avant, bien entendu, sinon ça ne marche pas, les grandes valeurs pour en réalité euh, saccager la liberté d'expression. Euh, s'enrichir sur le dos des victimes euh, du Bataclan et de, des autres causes, vous verrez, les, de toutes les causes où il y a de l'argent. Euh, le fait de, encore une fois, de d'aller dans les merdias, d'avoir ses bureaux dans le euh, juste en, à côté des Champs-Élysées, dans le Triangle d'Or, comme je vous ai montré hier, euh, c'est comme euh, son collègue. Juanito, Juan. Euh... Alors, d'ailleurs, tiens, Juan, en parlant de toi, je consacrerai euh, une autre euh, partie donc euh, à, à Juan. Parce que sachez que il y a beaucoup de choses à dire et là euh, concernant sa famille particulièrement son père polo polo branco euh, et euh, je veux dire il a aussi une mère psychanalyste c'est là on, on est cerné de partout mais bon on va pas euh, en parler maintenant Polo Blanco, qui a entre autres euh, eu, euh, comme parce qu'il est, il est, euh, il est euh, producteur de cinéma, euh, entre autres euh, embauché euh, et fricoté avec les euh, Ariel Dambal BHL, mais pas que. Hein. Donc euh, Samia Maktouf inconditionnelle et voyez comment elle pose toute fière. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. Voilà, cette femme comme l'autre, très courageuse. D'ailleurs on nous le dit, cette pugnace avocate parisienne née en Tunisie assume défendre à la fois les victimes du terrorisme et les autocrates. C'est génial. Eh bien, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et donc là, euh, suivez un peu ses débuts. Samia Maktouf, la cinquantaine a prêté sévit, sévit j'adore. Sévi au barreau de Paris. Depuis 1995, année de sa prestation de serment étudiante en Licence de droit, elle déboule chez Théo Klein, alors conseil des obros de l'industrie et des potentats africains. Et là, là, attention, la jeune collaboratrice en pince, on le dit professionnellement, pour l'ex-président du conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. 96 ans aujourd'hui. Alors elle dit de lui homme brillant qui combattait la haine jusque dans son propre camp. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans son propre camp Est-ce qu'elle accuse le CRIF ou les Juifs Je ne sais pas. Donc à sa demande, Samia Maktouf passe sa première année en mission à l'étranger. Alors on ne nous dit pas exactement où, mais elle en garde une approche très anglo-saxonne du métier. Ce qui, chez un avocat, signifie deux choses des revenus reclés et une clientèle tendance pot pourrie. Et euh, ces dernières 15 années, elle a défendu euh, et conseillé les. Ils n'ont pas de chance, franchement. Des réfugiés tunisiens et d'autres qui n'ont pas eu de chance, des salariés sur le carreau. Mais aussi. Mais aussi, on nous apprend qu'elle qu adore les affaires de terrorisme. Donc elle a défendu aussi le bienfaiteur de l'hypercachère. D'accord Lassana Batili. Mais aussi, on nous apprend qu'elle a défendu le porteur des valises libyennes, j'ai nommé Ziad Takieddine, qui est, euh, bien entendu, qui est impliqué dans cette énorme complot euh, Sarkozy Libye élection présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy les valises qui arrivent de partout et particulièrement de Libye pleines de billets et cette affaire elle est tout simplement gigantesque gigantesque d'accord on a trouvé Quelqu'un donc qui était euh, impliqué euh, avec Sarkozy, Ziad Takedine et d'autres, on l'a trouvé euh, euh, mort euh, dans, un, dans un fleuve. Euh, on a trouvé justement les notes dans ces notes plein d'indications sur ce qui se passait donc euh, entre Sarkozy et Ziad Takedine et plein d'autres. Sarkozy va bien entendu sur les plateaux télé pour accuser Ziad Takedine d'être euh, le pire des criminels et pour justement sans preuve, alors qu'il y a des preuves contraires, euh, dire qu'il n'a rien à faire avec lui et se dédouaner d'avoir fait la moindre, euh, le moindre accord avec lui, la moindre transaction. C'est énorme. Donc elle l'a défendu. Euh, mais aussi, vous voyez, il euh, n'y a pas un attentat qui lui échappe. Hein. Et donc, elle a défendu aussi Latifa euh, Ibn Ziyaten, c'est la mère d'un du, euh, des soldats abattu par Mohamed Mera. Voilà qui dessine, là, elle est fière de proposer un CV pareil, voilà qui, les, qui dessine, selon elle, les contours d'une carrière œcuménique. Et là, on va s'intéresser parce qu'elle n'a pas défendu que ces gens-là. Et là, euh, regardons qu'est-ce qu'elle a fait dans son pays d'origine. L'épithète fera tousser les révolutionnaires tunisiens. Moi-même, j'ai failli euh, vomir. Samia Maktouf était du comité de défense du ministère de l'Intérieur de Ben Ali. Vous avez bien compris. Cette femme a défendu un dictateur. Cette femme a défendu son propre dictateur de son propre pays d'origine. D'accord Elle était du comité de défense du ministre de l'Intérieur de Ben Ali. Mais pas que, mais pas que. Attendez, attendez, attendez. Euh, donc... Il a été ce ministre accusé d'exaction devant un tribunal militaire. En France, elle défendit tout de go, Leila Trabelsi. Alors pour ceux qui connaissent pas la, la, la politique et, et euh, les affaires tunisiennes, sachez que Leila Trabelsi est à la base donc une coiffeuse qui, euh, parce qu'elle a été l'épouse donc du dictateur tunisien... Et aujourd'hui, euh, en exil, comme vous le voyez, en Arabie Saoudite, avec sa femme Leila Travelsi, et eh bien, euh, a mis le pays en coupe réglée, comme on dit. Euh, tout le pays a, part... a appartenu, les sociétés, tout ce qui réussit dans le pays, y compris du plein de d'immobilier et de mobilier. Euh, a appartenu à Leila Trabelsi et aux membres de sa famille, les Trabelsi. Euh, D'ailleurs, lorsque euh, Ben Ali et donc sa femme ont quitté précipitamment le pays pour aller se réfugier jusqu'à ce jour en Arabie Saoudite, sans que cela ne dérange euh, la fameuse communauté internationale, ils ne sont pas partis les mains vides. Ils ont pris le soin de vider euh, plein de, de tonnes d'or. Euh, de la banque centrale tunisienne d'accord donc euh, elle a défendu euh, le ministre de l'intérieur de ben ali accusé d'exaction hein mais aussi euh, lorsque elle était en place donc lorsque euh, le régime était en place euh, ben ali et donc sa femme leila trabelsi elle les a défendus euh, de france en tout cas elle a fait comme elle fait pour Médine, euh, c'est sa marque de fabrique, cette femme adore censurer, cette femme qui se dit euh, Charlie, défenseuse de la liberté d'expression, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Donc, elle a, euh, il y a deux journalistes donc, qui ont écrit euh, La régente de Carthage, consacrée à Leila Travelsi, dans lequel il détaille toutes les, les magouilles. Qui euh, Dont Leila Trabelsi est responsable avec son clan. Et, euh, et donc, elle a, elle a eu l'idée d'expurger des pans entiers de l'ouvrage, se décrivant par le menu la vie frivole de l'épouse du président. Et là, euh, donc, on nous dit. Moi, je pense pareil pour les opposants et pour Medim Nawar. L'outing de l'avocate ne fait plus guère de doute. En croisant le fer pour Leila Ben Ali, Samia Maktouf s'est posée en défenseur d'un régime l'ayant enrichi et consacré par ses réseaux. L'entend adepte du silence, elle qui reproche à Abdeslam le terroriste. Donc, euh, qui est actuellement incarcéré, elle lui reproche son silence. Elle-même, elle est adepte du silence. Donc, elle riposte :« Léla Ben Ali, je ne l'ai vue que trois fois. J'ai accepté le dossier parce que je suis une femme résolument féministe. et ben, je me disais bien que les auteurs dénoncent une répression et une spoliation du peuple tunisien, s'ils ont les preuves. » Pas de problème, mais réveille-toi. Et là, ça me permet de parler un peu de Assange. Julian Assange a dévoilé les câbles de l'Américain, la... des ambassades euh, et des câbles de la CIA, qui, qui qui dresse un inventaire complet, complet des biens mal acquis euh, des, de ce clan Trabelsi. Donc, de la, de, de, de la femme du président, qu'elle défend, qu'elle-même a, défend a défendu. Donc, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Elle demande des preuves, les preuves sont partout. Et d'ailleurs, le peuple, tellement il y avait de preuves, il n'a pas reculé, il les a chassés du pays. D'accord Et donc là, elle dit euh, En revanche, pour démontrer qu'il s'agissait bel et bien d'une dictature, de raconter des histoires de cul et de coq de Leila Ben Ali, donc voilà, elle, ce qui la dérange, en fait, c'est la liberté d'expression. Effectivement, les histoires de cul et de coq, ils ont le droit, ces journalistes, c'est vrai, visiblement journalistes, de le signaler si c'est des faits et c'est des faits, d'accord Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans pour dédouaner encore une fois euh, un régime corrompu avec preuves flagrantes soi-disant parce que ça t'a dérangé, qu'ils il, qu exposent des faits de, 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 de coque, de cocaïne, de cul, de sexe. C'est vraiment incroyable. Et ensuite, vu que, bien entendu, elle vous a dit, elle est féministe, donc elle va essayer de protéger, encore une fois, euh, la femme du, du couple, de corromp, du couple de, euh, corrompu. Et elle va charger, bien entendu, le grand méchant, méchant, homme, le paternel très méchant. vous verrez que euh, cette femme enragée, comme euh, les féministes comme elle, euh, n'en ont euh, qu'après un seul ennemi, l'homme. donc là, elle dit, moi, je pense que... <laughs> elle ment comme d'habitude. silence allongé, puis confidence détonnante. Elle dit. C'est bien Ben Ali lui-même qui a souhaité intenter la procédure. Ça, je ne l'ai jamais dit. Dans la culture arabe, un homme a fortiori de cette stature ne peut pas tolérer que sa femme soit traitée de prostituée. Énorme. Rétablir son honneur m'a paru, paru important. Je me fiche des interprétations. L'unanimité, c'est la médiocrité. Mais tu es hyper médiocre, ma pauvre donc là d'une part elle nous dit qu'elle est féministe qu'elle ne se laisse guider par personne commandée par personne et puis pour ensuite au final nous avouer je pense que c'est un gros mensonge que euh, en fait elle s'est soumise à ben ali et pas euh, pour aider comme elle avait dit au début pour aider leila ben ali parce que elle aime défendre les femmes elle se contredit toujours euh, dans le même temps elle est incroyable, cette manipulatrice. Et donc, c'est là où euh, on est mal barré, parce que cette femme, en permanence, arrive sur les plateaux pour donner son avis sur la loi française antiterroriste, sur tout ce qui est déradicalisation, etc. C'est là qu'on est mal. Hein. Et donc, euh, en 2012, déjà, Samia Maktouf s'adjuge. Une nouvelle mission recoudre les failles du code pénal français pour tarir les sources de recrutement de Daesh. On voit qu'elle a très bien réussi. Euh, en 2012, depuis 2012, on n'a eu que des attentats. Voilà, je veux dire, euh, elle aurait mieux fait de rester là où elle est, peut-être on aurait pu euh, éviter le pire, et si possible, si Hollande n'aurait pas été élue, je suis certain qu'on aurait évité le pire. Après des mois à prêcher dans le désert, elle convainc de la nécessité de réintroduire l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs, mais comprenez que derrière, il y a son idéologie euh, d'enragée féministe qui la guide, c'est pas forcément lutter, encore une fois, contre le terrorisme. Parce que euh, réintroduire l'autorisation de sortie de du territoire pour les mineurs vous vous allez croire que ça va empêcher, par exemple, euh, qu'on ait des attentats du type Bataclan. Moi je vois pas le rapport. En revanche, regardez ce qui, ce qui suit. Ces derniers jours, elle a obtenu qu'un père radicalisé. J'aimerais savoir qui est ce père et pourquoi euh, bah, je pense savoir pourquoi. Euh, pourquoi il ne porte pas plainte contre elle pour le traiter de la sorte. Euh, Est-ce qu'il a été condamné pour radicalisation euh, Quel est l'intitulé exact de la condamnation Pourquoi Quand Comment Moi, euh, bon, je pense qu'il est, à mon avis, il a la tête tellement sous l'eau euh, par ces, ces, cette secte-là de dégénérée, qu'il est loin de pouvoir non seulement savoir qu'il peut porter plainte, mais en porter une. Et donc, on nous dit elle a obtenu qu'un père radicalisé se fasse sucrer. J'aime bien. Le terme se fasse sucrer son droit de visite et là vous vous comprenez hein, comment euh, fonctionnent les attaques sur non seulement les autres sociétés algériennes tunisiennes mais là sur notre société française les amis et bien entendu elle fait elle cache tout ceci son idéologie macabre derrière la soi disant Guerre contre le terrorisme, guerroyer contre le terrorisme vire à l'obsession. Alors là, bien entendu, le portrait qu'elle dresse d'elle-même, il est fabuleux. Sur la plage de Sousse, en Tunisie, flashback d'enfance. La baston se faisait au point. Quelle courageuse. Alors là, on nous explique que cette femme, non seulement elle est forte intellectuellement, elle sévit, hein, elle sévit au barreau, mais en plus que euh, la bagarre physique, euh, c'est euh, une championne de bagarre. C'est génial. Seule fille d'une fratrie de six, elle se bat comme une chiffonnière, ruse aux courses de petites voitures, et elle a, tenez-vous bien, tenez-vous bien, elle nous a avoué, elle nous a avoué qu'elle était championne de toupie. Elle gagne, elle gagne à la toupie. Mais c'est formidable, c'est formidable. Deux de ses frères deviendront aussi avocats dans l'un officier, dans son cabinet aujourd'hui à Paris. Bon, là, on vous dit Paris, c'est un peu gros de vous dire euh, Paris 8e, euh, Champs-Élysées, quoi. Comme toute histoire parfaite, on nous apprend que bien qu'elle est tout le temps sur les plateaux télé, qu'elle a des dossiers partout, qu'elle court partout, etc., qu'en même temps, euh, elle a le temps de prendre 20 fois par jour euh, sa mère au téléphone. Mais c'est euh, comme ça, les amis. Hein. Est, on est dans un monde où il faut croire à tout. Alors, il y en a, ils ont compris la technique, euh, ils n'ont plus de filtre. Ils savent que mentir n'est jamais puni, alors ils y vont. Euh, sa mère au foyer l'appelle toujours 20 fois par jour malgré la distance. Quant à son père, fonctionnaire au ministère de la Santé, là vous, vous, vous comprenez pourquoi elle s'est acharnée à défendre les, le clan euh, Travelsi Ben Ali il s'échina pour que Samia intègre le prestigieux lycée pour filles de Bebsuire. Donc, euh, ce qui est aussi un drame, c'est qu'elle conseille la Cour pénale internationale. Euh, c'est une infiltration complète et totale. Il n'y a pas, pas d'autre définition. C'est un noyautage. Alors, elle n'est pas la seule. Hein. C'est un noyautage complet. Complet de la société française, de la magistrature, de tout ce qui est loi judiciaire, analyse, défense, analyse du, de la radicalisation, défense des victimes du terrorisme, euh, dénonciation des complots, c'est un noyautage complet. Ça veut dire que vous, avec ces gens-là, vous ne saurez jamais, jamais, jamais la vérité. Et c'est leur, euh, voilà, ils s'emploient à, à perdre les gens. Donc vous avez vu comment, à quel point elle est adepte de d'une chose qui est la censure. Voilà, elle censure un livre, ça lui plaît, ça lui plaît pas. Même si c'est des faits, des vérités, euh, non, non, tu me supprimes. Euh, euh, un chanteur, euh, voilà, pour elle, c'est le, le, le gars, il vient chanter euh, pour faire exploser à nouveau le Bataclan. Non, non, tu me l'interdis. Euh, euh, et puis, dans le même temps, euh, liberté, égalité, fraternité. Euh, on est attaqué euh, en France parce que nous, on a la liberté d'expression. On veut, comme disait Hollande, on est attaqué parce qu'on écoute de la bonne musique euh, au Bataclan, parce qu'on prend euh, une bonne bière. En terrasse, c'est pour ça qu'ils ont appelé le gang des terrasses. Mais c'est hallucinant comment ces gens-là. Enfin, moi je sais pourquoi, mais comment ces gens-là, ils, ils jouent tout le temps double jeu. C'est la marque de fabrique du gauchisme. C'est avancer masqué. Toujours, ils avancent masqué. Et voilà, là, ce que je vous disais tout à l'heure, un article de Paris Match. Donc euh, voilà, quelqu'un qui elle-même est restée silencieuse sur son passé, avant de, de dire n'importe quoi, hein. je vous ai lu tout à l'heure qu'elle se contredit, et eh bien là, elle est outrée que euh, Salah Abdeslam, euh, avec son silence pour elle, il méprise les victimes. Euh, moi je crois que si Salah Abdeslam, que bien entendu euh, je ne défends pas et que euh, je... Je considère qu'il doit rester euh, en prison pour toujours parce que il a cédé, donc à la, euh, il a pactisé avec le diable. Il est terroriste, il n'y a pas un autre mot. Euh, mais je pense que si on lui tendait un micro, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à dire. Donc, euh, euh, je pense pas que, euh, euh, que c'est un silence choisi. Hein. Je pense pas. Je pense que comme le frère de Mohamed Mera, Abdelkader Merah, s'ils veulent toujours pas le faire sortir alors qu'il n'a rien fait, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On le sait que son frère euh, travaillait pour le compte des services euh, secrets français. Hein. C'est plus un secret, ça, pour le coup. Donc voilà, toujours agité agiter agiter les contre-vérités, s'agiter dans tous les sens. et au final, il n'y a pas de résultat parce que on demande à un garagiste de une fois que vous le payez de réparer la bagnole, de euh, d'accomplir une tâche d'accord. mais elle a été avocate de tous les attentats. Et au final, il n'y en a aucun qui est réglé, il n'y en a aucun où on tient les commanditaires, il n'y en a aucun où c est... on est arrivé au bout de l'enquête. Mais t'es pas bonne alors. Ou alors tu, tu fais comme les gilets jaunes merdiatisés, c'est-à-dire que tu es là juste pour faire tourner en rang pour que rien n'aboutisse jamais. Donc là, euh, nous avons... Euh, un article. Alors, vous voyez bien euh, quels sont les sites qui euh, plébiscitent la décision euh, euh, de euh, Samia Maktouf, hein, Europe Israel News, qui euh, donc sont contents de publier euh, que Samia Maktouf, avocate des familles, deux familles, parce hein, que enfin, quelques familles, hein, les pauvres familles, euh, de victimes du Bataclan. Médine au Bataclan est une éloge euh, du meurtre de masse. Et regardez comment elle s'est débrouillée, parce qu'il y en a qui n'assument pas derrière. J'ai beau chercher les amis, euh, je n'ai pas trouvé ces interventions, que ce soit sur ces news, là vous voyez c'est sur RTL info, elle est partie carrément, euh, il me semble que cette chaîne, elle est en Belgique. Euh, et même donc, ce, ce site là, Europe Israël, euh, ils ont mis aussi un article sur euh, F 2 souche. F hein, de souche il est connu, hein, c'est extrême droite. Il y a même une vidéo de mon passage à, à votre serviteur, à moi-même, qu'ils ont apprécié, qu'ils ont diffusé euh, lorsque euh, le gauchiste du NPA sur le plateau télé, vous pouvez trouver la vidéo intégrale sur mon YouTube. Le gauchiste du NPA m'avait accusé euh, d'être euh, du FN parce que justement je, je dénonçais les complots et que je m'opposais à lui euh, qui euh, affirmait que en euh, Russie il y a des camps de concentration d'homosexuels. Bien entendu, il affirmait ceci sans la moindre, le moindre début de preuve. Euh, donc le, ces deux sites-là et même après c'est tout est introuvable, on trouve plus la vidéo, d'accord Ni ce passage-là ni sur ces news. Donc n'hésitez pas si vous trouvez, vous les envoyez. Voilà les gens qui euh, qui l'ouvrent de trop pour ensuite euh, tout faire pour tout effacer, ne plus laisser de traces. Euh, encore un article, et là c'est européen, donc elle s'est vraiment acharnée pour interdire quelque, quelque part une liberté d'expression. Comment peut-elle se dire euh, défenseuse de Charlie, du Bataclan, de. Euh, contre Mohamed Mera, contre euh, l'attentat de l'hypercachère, comment est-ce possible de dans le même temps euh, pratiquer, interdire des passages dans un livre, euh, interdire un chanteur, comment est-ce possible? Donc là on nous dit euh, Medina au Bataclan, une avocate de victimes demande au préfet de police d'interdire les concerts. Alors je vous dis, elle a réussi, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, elle a réussi. Hein. C'est pour vous dire, hein, il y a un état dans l'État. Donc pareil on n'a pas on n'a pas de vidéo alors alors j'espère que vous êtes là parce que je sais que ma connexion est mauvaise j'espère qu'il n'y a pas de troll non ça a l'air d'aller ok euh, alors, encore elle, elle est partout, euh, fait penser à Juan, Juan Branco et euh, Polo, Polo son papa, qui pareil mange à tous les râteliers. Euh, donc voilà, la jeune Afrique, bien entendu, euh, Samia Maktouf l'avocate. Alors là... Vous savez, j'ai bien insisté sur l'avocate de victimes, parce que pas toutes les victimes l'ont choisi. Et je salue donc la, la, la lucidité de ceux qui ne se sont pas laissés embarquer, euh, récupérer par cette manipulatrice. Donc, euh, par contre, pas tous les journaux, pas tous les journalistes arrivent à faire euh, la distinction, parce qu'ici on dit l'avocate des victimes. Alors là, tout le terrorisme mondial. Euh, et là, on nous rappelle, elle s'est fait un an en assurant la défense de Ziad Takiedine ou celle de Leila Ben Ali, avant de devenir l'avocate patentée des victimes du terrorisme en France. Mais c'est génial! Donc on nous dit que. Euh, avocate franco-tunisienne spécialisée dans le droit des affaires. Elle a du coup, elle a trouvé mieux, c'est l'univers macabre du terrorisme. On nous rappelle qu'elle a débuté donc dans le cabinet de Théoclin, vous vous rappelez. Et on dresse un portrait, bien entendu, euh, bien euh, élogieux. Parfait, parce qu'on nous dit qu'elle est euh, de tous les contentieux, conseillant le patron comme l'ouvrier, le propriétaire nanti comme le SDF, mais aussi l'artiste africain spolié de ses droits d'auteur, hein, elle-même qui attaque, euh, encore une fois, un, un livre pour supprimer des passages. Hein, Ou la policière, bien entendu, d'origine maghrébine, dénonçant l'Omerta dans sa profession. Comme ce fut le cas de Sihem Suid, qui est bien entendu cette femme, elle est absolument à défendre, mais vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a cette avocate quelque part, il n'y a, aucun, euh, a aucune victoire, il n'y a aucun, aucune enquête qui aboutit, euh, il n'y a aucune euh, énigme qui est résolue. C'est l'avocate des, 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 euh, des complots. Euh, et Et là, c'est ça qui est, qui est aussi dramatique, c'est qu'elle ose se, com euh, se comparer donc à, à Paul Vergès. En plus, elle dit que euh, elle, elle est mieux que lui parce que lui il franchissait des lignes. Mactouf s'est tout de même fixé des lignes jaunes qu'un Paul Vergès par exemple, franchissait euh, allègrement. Moi, je demande quelles lignes. Hein. Et là, c'est pareil. Hein, nous, elle nous renvoie sur les thèmes de la franc-maçonnerie. C'est cette euh, euh, exagération dans la défense des femmes. Là, on nous parle de Ziad Takedine, du Libanais qui fut l'intermédiaire des présidents français, hein, des présidents français, et qui a fini devant les tribunaux. Elle dit comprendre la frustration et, les, et le dépit. C'est génial. nous explique que cet homme euh, s'il a fait euh, tout ce qu'il a fait s'il a euh, s'il est coupable d'avoir euh, bien entendu influencé nos propres élections euh, présidentielles et donc le destin de tout un pays et à travers la France le destin de, de l'Afrique et de toutes les anciennes colonies et les le destin même du monde, parce qu'il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres. On a déstabilisé la Libye, mais pas que sous Hollande. On a déstabilisé la Syrie, euh, le Mali. Euh, il y a eu aussi la Centrafrique. C'est sans fin. Hein. Et donc, donc, on nous explique que euh, c'est par son truchement, d'accord, c'est à dire que ce n'est pas de sa faute. Elle dit. Euh, Takedine a servi le système et s'est fait manipuler par des hommes politiques qui l'ont lâchement abandonné une fois rattrapé par la justice. Ah, bah oui, c'est triste. Ah, c'est triste. C'est pas gentil ce qu'ils ont fait. C'est pas gentil de l'avoir laissé seul devant la justice. Et euh, donc elle dit que c'est par, parce que le pauvre il était naïf, euh, c'est par son truchement qu'on a négocié la vente de frégates. Au Pakistan, donc la, la fameuse affaire Karachi, les amis, il y a eu des morts, plein de morts, et donc euh, elle, elle qui fait, qui feint, qui, qui soit -disant, soi disant combat le terrorisme et euh, défend les victimes des, du terrorisme, là, ça ne la dérange pas. Euh, donc, ainsi que la signature de juteux contrat avec l'Arabie Saoudite pour elle, non c'est euh, il n'a pas fait exprès c'est à lui qu'on doit en partie l'issue heureuse du procès des infirmières bulgares en Libye je ne sais pas si vous vous rappelez de cette énorme manipulation euh, euh, lorsqu'il y avait encore Kadhafi euh, vivant euh, où euh, je crois que c'était Sarkozy, il me semble, euh, qui, a, qui a bénéficié de cette issue politique d'infirmières bulgares, soi-disant qui étaient retenues, euh, donc qui ont quitté euh, la Libye. Euh, voilà, encore une histoire à dormir debout, du type euh, euh, les jeunes qui arrivaient pendant euh, euh, le. le les manifs euh, euh, contre le CPE et qui on sait aujourd'hui que c'est Sarkozy, c'est écrit dans le livre de... Alors il me semble que son nom c'est... Euh, euh, il faudrait que je cherche, mais vous aviez un conseiller qui était avec lui à l'Elysée, qui l'a enregistré, qui a sorti un livre dans lequel... Il dit tout ce que Sarkozy faisait, c'est-à-dire qu'il euh, recrutait, il envoyait, il recrutait des jeunes en cité, particulièrement les arabes et les noirs, et qu'il euh, leur demandait donc d'aller de, casser lors des manifestations, euh, euh, des manifestations pour justement décrédibiliser les causes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas neuf, ce n'est pas nouveau. Donc voilà, après c'est plein de thèmes, euh, encore une fois, de manipulation. Elle se bat pour sauver un réfugié mineur, mineur à qui les parents ont payé la traversée. Elle combat pour les exiler. Voilà, il faut les malheureux qui, qui tombent dans ses mains. Je donne pas cher de leur de leur, de leur cas. Voilà, donc moi, ça me fait penser, les amis, euh, à, tout, euh, à tous ces jeunes, tous ces gens qui se font manipuler, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, par le système. Parce que le système a besoin, en permanence, en permanence, d'avoir de la criminalité, de la délinquance, aussi... Euh, du terrorisme, du fanatisme. Sinon, vous vous imaginez bien, si euh, il n'y avait plus, il n'y avait plus de causes comme ça nationales, s'il n'y avait plus de criminalité, euh, il n'aurait plus euh, le, les gouvernements euh, tout l'arsenal de surveillance euh, qui est euh, qui est euh, 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 uniquement euh, dirigé sur le peuple n'aurait plus lieu euh, d'exister. Donc le système va en permanence fabriquer de la tension, la tension, fabriquer encore une fois euh, du chaos. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, C'est comme les fabricants euh, d'antivirus pour avoir de l'avance ils fabriquent aussi des virus comme ça ils ont comme ils connaissent à l'avance le code de leur virus leur antivirus le protège déjà de ce virus et du coup ça leur permet d'avoir des coups d'avance sur les autres fabricants d'antivirus c'est connu et euh, le il y a plusieurs leviers donc pour que l'état arrive à fabriquer des, des cinglés qui vont commettre de la délinquance et des crimes plusieurs levi leviers le, le vous avez le fait de mettre les gens dans une extrême misère pour manger ou même pour vivre pour survivre pour se payer je veux dire aujourd'hui c'est devenu nécessaire pour se payer un téléphone, pour se payer un abonnement téléphonique, pour se payer. Il n'y a d'autre choix que de basculer dans la petite délinquance, et ensuite vous avez des, des... encore une fois les services secrets qui opèrent, qui vont proposer de monter en grade dans la délinquance, d'autres qui vont essayer d'amener certains vers des actions terroristes pour ensuite soit les arrêter avant qu'ils passent à l'acte pour dire voilà regardez comment on travaille bien on a dégommé un réseau terroriste ou alors ils laissent passer à l'acte parce que des euh, commanditaires avaient besoin euh, qu'un attentat se produise à, à tel moment à tel endroit vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a eu un attentat en france ça Toujours bénéficier politiquement euh, euh, au pouvoir et au système, hein, c'est euh, sans exception, hein, mais on n'a jamais chopé les commanditaires, c'est ça. Euh, et donc, euh, parmi aussi le fait de fabriquer euh, euh, le levier le plus fort pour fabriquer, encore une fois, des personnes prêtes à tout, désespérées, désarçonnées, euh, enragé c'est ce qui arrive à votre serviteur c'est euh, de priver les pères de leurs enfants ou en tout cas de déséquilibrer euh, de manière flagrante euh, les droits parentaux ou alors dans un autre cas extrême de placer les enfants et là vous, vous rendez complètement folle euh, la mère complètement fou le père, donc les personnes qui ont vécu ça savent très bien de quoi je parle. Et si vous regardez le cursus des différents terroristes, pas uniquement en France, mais même aux États-Unis et ailleurs, vous trouverez toujours ce lien du père qui a été massacré dans ses droits par rapport à ses enfants. Vous avez le terroriste de Nice qui était un Tunisien. Mais malgré que, effectivement, c'est pas du tout une chose à faire, c'est vraiment abominable, mais on n'est pas tous au même niveau, encore une fois, euh, de la fragilité psychologique. Hein, et ni dans la dans le même niveau, encore une fois, euh, du... Comment dire euh, de, du contrôle, du contrôle de ses bas instincts, d'accord euh, Et donc il a fait cet attentat, pas comme on l'a dit, parce qu'il s'est radicalisé euh, express en une semaine, pas du tout. Il buvait de l'alcool, il mangeait du porc, il fréquentait les, les, les boîtes gays, euh, il dansait le, le tango la salsa, qui est une danse corps à corps avec des femmes. Non, il a fait ça parce qu'il ne voyait pas ses trois enfants et que le système l'a vraiment accablé et qu'il savait, parce que sa femme était franco-tunisienne, lui il était juste tunisien, il savait que ses papiers n'allaient pas lui être renouvelés et qu'il allait se faire expulser, donc sans aucun espoir pour voir, de voir ses trois enfants. Et vous avez que des exemples comme ça, les amis. Que des exemples comme ça. Euh, il y a aussi les enfants de ses pères les enfants de ses pères et de ses mères dans quelques cas. Euh, en France, on ne veut pas faire des enquêtes euh, ethniques, des, des recensements ethniques, des, des sondages ethniques, soi-disant que c'est euh, euh, du racisme, alors que nous, on leur a jamais rien demandé. On veut savoir qui vous avez mis dans les prisons. On veut savoir les entreprises euh, françaises. Euh, la composition, encore une fois, par origine, ethnie, euh, position sociale, la composition dans la, la pyramide des, des entreprises françaises et dans les institutions publiques françaises, on veut savoir qui est en haut, qui est en bas. Moi, j'ai ma petite idée, hein, mais euh, pourquoi euh, C'est possible dans les autres pays anglo-saxons et ce n'est pas possible en France. Alors, en France, on ne peut pas faire ce type d'enquête, mais sachez qu'aux États-Unis et ailleurs, euh, toutes les enquêtes indiquent qu'il y a un rapport direct et euh, presque systématique entre délinquance-criminalité et euh, avoir été euh, privé de son père. Et de façon générale, on va dire... Un père absent, mais là, alors les médias interprètent le père absent comme c'est le père qui a fait le choix de s'absenter. Non, c'est les pères euh, se euh, sont forcés hein, de ne pas euh, s'occuper, à voir leurs enfants et de ne pas les éduquer. Ils sont écartés euh, manu militari, d'accord. Je rappelle aussi que les révolutions, que vous le vouliez ou non. Euh, sont d'abord menées au front par des hommes, d'accord euh, Les femmes ont euh, toujours eu une tâche, encore une fois, euh, de, comment dire, intellectuelle, une tâche euh, plutôt euh, en back-office, comme on dit, euh, lors des dernières guerres, c'était euh, fabriquer les munitions, c'était s'occuper... Euh, des enfants, c'était euh, soigné donc euh, en tant que euh, personnel médical, mais offrant. C'est c'est comme ça. Hein. Les chers à Canon ont toujours été les hommes et pour les révolutions, c'est pareil. Euh, une révolution euh, avec, euh, je vais dire, sans les hommes, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que le système donc cible particulièrement Particulièrement les hommes. Et c'est pour ça que le système feint, il feint en permanence. Vous voyez tous les merdias, que ce soit le merdiapart, peu importe, euh, il n'y a absolument jamais une petite minute sur les pères privés de leurs enfants ou de manière générale sur la souffrance masculine. C'est monopolisé par la souffrance féminine à outrance. D'accord jusqu'à aller sortir, et ce n'est pas juste le cas de Jacqueline Sauvage, hein, mais il y, en a, il y en a plein, il y a Marion, il y en a plein d'autres, jusqu'à sortir des femmes qui ont tué, qui ont tué leurs compagnons alors qu'ils tournaient le dos, etc., alors qu'elles n'étaient pas en situation de légitime défense, jusqu'à les innocenter, ou les condamner à du sursis, d'accord, ou carrément s'ils ont été condamnés une peine faible, dix ans, comme Jacqueline Sauvage, confirmée en appel, dix ans, allait sortir par deux d'une double grâce présidentielle. On est dans un monde de fous, c'est-à-dire qu'on légitimise, on légitimise le meurtre. D'accord Il suffit de dire euh, oui mais j'ai souffert pendant quarante ans et sans aucune preuve, sans avoir jamais euh, déposé la moindre main courante ou avoir fait un signalement ni à des hôpitaux, ni euh, dans les écoles, ni à qui que ce soit. Il suffit de dire la phrase magique, oui mais je l'ai fait parce que j'ai trop souffert, et hop, vous avez tout le soutien. C'est absolument hallucinant. Euh, donc euh, le système aussi manipule par les, euh, encore une fois, toujours par les services secrets, et donc manipule par les groupes, c'est-à-dire ce que vous voyez aujourd'hui les groupes d'antifa, les groupes de black bloc, les groupes d'extrême droite, les groupes de, 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 de gauchistes, etc. c'est-à-dire que vous avez les groupes de féministes, les femmes, etc. Les, les exemples ne manquent pas. Euh, c'est-à-dire que vous avez ceux qui tirent les ficelles, le jeune quand il rentre en bas, il, il, ne, il ne peut pas les voir. d'accord. lui, c'est juste qu'il a voulu faire partie d'un groupe. Et que ensuite il n'a plus le contrôle parce qu'il c'est sur rendez-vous, viens on va là on va là-bas, t'es cap t'es pas cap euh, etc. Et euh, le problème il est là, c'est l'effet entraînant de groupe. Et ça me permet justement de vous donner l'exemple, euh, l'exemple flagrant de l'affaire Clément Méric. C'est là où je m'étais arrêté hier. Donc l'affaire Clément Méric pour ceux qui s'en rappellent pas euh, ce garçon donc a trouvé la mort euh, le 5 juin 2013 et euh, les médias bien entendu n'ont jamais voulu entrer dans le détail de l'affaire parce que le détail de l'affaire met en évidence le fait que euh, non seulement ce garçon a été manipulé mais qu'en plus en face les autres ont été aussi manipulés par la provocation euh, et encore une fois on a lui ce pauvre garçon est mort l'autre euh, est donc est condamné mais au final euh, c'est les seules euh, personnes euh, qu'on fait payer euh, les commanditaires les meneurs etc euh, on, on saura jamais euh, on n'en saura jamais d'identité et ils ne seront visiblement jamais inquiétés, comme bien entendu pour tous les attentats que notre pays a vécu. Donc, pour rentrer rapidement, parce que là j'ai dépassé déjà une heure et quart de vidéo, pour rentrer rapidement dans le détail, on va regarder ce qui a été dit. Alors, regardez exactement euh, la chronologie de l'affaire pour que vous compreniez. Donc, deux groupes de trois personnes, hein, suivez, vous avez euh, deux fois trois personnes. Un groupe de l'action antifasciste Paris-Banlieue, donc un groupe antifa-gauchiste. L'autre de militants des jeunesses nationalistes révolutionnaires, donc euh, un groupe qu'on peut dire euh, d'extrême droite, se rencontre par hasard, moi j'adore le hasard, vous, vous me connaissez très bien, j'adore le hasard, euh, se rencontre par hasard le 5 juin 2013 en fin d'après-midi alors qu'ils se rendent à une vente privée de vêtements Fred Perry dans le 9e arrondissement. Donc ni Clément Méric, donc le pauvre euh, qui est, euh, garçon qui a trouvé la mort, ni Esteban Morillo, Morillo, le principal inculpé dans cette affaire, ne sont présents à ce moment-là. Donc un militant, regardez comment ça commence. Donc c'est la gauche qui a commencé. On va simplifier, on va dire gauche euh, ou extrême, dro gauche, extrême droite. C'est l'extrême gauche qui a commencé. Donc Steve Doma interpelle, interpelle d'abord l'extrême droite qui se trouve dans la salle de vente en leur disant, de son propre aveu, c'est lui qui dit, hein. il leur dit, alors les nazis ont fait ses courses Donc selon euh, les nationalistes, le groupe d'Antifa aurait alors continué à les provoquer menaçant de les attendre en bas. Tandis qu'eux-mêmes auraient demandé aux Antifa de les laisser faire leurs courses. Les militants euh, d'Antifa quittent l'espace de vente vers 18h et se postent un peu plus loin. Et il est là le problème. Et donc selon euh, la chambre de l'instruction, ils attendent alors ostensiblement l'autre groupe en faisant... Téléphoniquement, appel à du renfort. Enfin, je vais dire, euh, comment vous appelez ça Comment vous appelez ça Si c'est pas un guet-apens, ce que les intéressés, bien entendu, démentent en expliquant que ils attendaient l'arrivée de ce pauvre garçon Clément Méric avec les... lequel ils avaient prévu de faire des courses. Donc Clément Méric les rejoint un quart d'heure plus tard. Et pendant que lui, il n'a pas vécu la scène d'avant, donc il se retrouve encore une fois, comme je vous ai expliqué, euh, coincé, hein, coincé dans ce scénario, pendant qu'il attend avec le groupe le départ des nationalistes, il échange des SMS dont le contenu sera dévoilé par le Parisien. Donc, ils ont dû bien le monter ces copains. Et du coup, euh, euh, les nationalistes qui finissent leur course, eux-mêmes euh, voyant qu'ils qu sont attendus, euh, appellent du renfort par téléphone. Et là, donc, euh, Esteban Morillo, Morillo arrive. Donc, vous avez... Ils étaient trois d'un côté, il y a un quatrième qui les a rejoints, du coup les trois autres ont appelé un quatrième. Le vigile, alerté par une cliente des tensions entre les deux groupes, tente d'abord de calmer les nationalistes, puis descend à la rencontre des antifas. Donc l'un des antifas euh, lui dit que les nationalistes ont caché un point américain dans un sac avant de pénétrer dans le magasin l'invite à prendre des dispositions. Mais le vigile, il dit que Clément Méric, alors, a déclaré « Ce sont des gens qui ne devraient même pas être vivants. » Vous voyez comment euh, ce garçon euh, s'est bien fait, encore une fois, embrigadé euh, et endoctriné. Ou, dans une autre version du même témoin, euh, ces gens-là ne devraient pas exister. Bon, ça, ce qui revient au même. Et donc, lorsque le vigile retourne dans le magasin, Clément Méric le suit. Là, on se demande pourquoi. En montant, il croise les nationalistes dans les escaliers et il envoie à 18h27 un dernier SMS à, à, à ses amis. Donc, il surveillait. Euh, genre, voilà, il, il n'aurait jamais dû. Euh, rester sur place, euh, aller surveiller et prévenir ses amis. Et donc là, il envoie un dernier. Il a, il a servi en gros d'espion de, parce que vu que les trois nationalistes ne l'avaient pas vu, euh, ils ne le connaissaient pas. Du coup, il, il, il a servi à donner des infos euh, à, ses à ses copains antifa. Et donc, il a envoyé un SMS à ses amis. Ils descendent. En haut, le vigile et un de ses collègues lui enjoignent, au vu notamment de sa faible corpulence, de ne pas s'engager dans une bagarre. Mais pourtant, il descend de la salle de vente où il est resté quelques minutes. Il croise, il aurait croisé, il croise de nouveau les nationalistes, qui sont désormais quatre dans la cour de l'immeuble, et il leur aurait dit ⁇ On vous attend !⁇ Et donc du coup, les nationalistes partent alors directement à la rencontre des Antifa, qui attendent depuis une quarantaine de minutes. Une rigue s'éclate, le procureur décrit une scène violente, une scène de violence avec des échanges de coups sans que l'on sache qui initie le combat. Les deux groupes se renvoyant mutuellement euh, cette responsabilité. Donc Clément Méric euh, a fini dans un état de mort cérébrale. Euh, on nous dit que les protagonistes, donc euh, les nationalistes euh, et euh, les antifa, ont les mêmes codes de valeur proches des Redskins et des Skinheads. Et euh, juste pour vous dire donc, que ce garçon... Donc, euh, il venait de se remettre d'une leucémie en 2013. Il avait aussi. Euh, enfin, il était de tous les combats gauchistes. Euh... Donc, il faisait partie d'un groupe. Il était connu des services spécialisés comme appartenant à un groupe de militants d'extrême gauche qui recherchait la confrontation avec des militants d'extrême droite. Il était bien entendu anti-homophobie avec ACTAP et il a participé donc aux contre-manifestations des manifs pour tous, les manifs contre le mariage homosexuel. Donc lui, il était dans le camp de ceux qui allaient euh, foutre le bordel, les, euh, les empêcher de manifester. Vous, vous rappelez quand il y avait euh, un million de personnes, de familles dans les rues euh, qui manifestaient euh, pour les, 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 ne, pas, euh, ne pas attaquer comme d'habitude le, le, le sacrement, le sacrement euh, euh, des valeurs familiales. Donc voilà mais bon ça n'excuse pas non plus mais c'était pour vous montrer le chemin le cheminement euh, de l'autre côté donc euh, Esteban Morillo celui qui donc est accusé de l'avoir tué euh, on apprend bon bah, c'est un immigré euh, d'origine espagnole. Euh, qu'il avait un casier judiciaire euh, vierge mais que deux points américains ont été retrouvés lors de la perquise euh, à son domicile bon samuel dufour donc celui fait partie des nationalistes qui a appelé donc euh, en renfort justement Esteban Morillo euh, c'est l'inverse donc Esteban Morillo a appelé Samuel Dufour et c'est Samuel euh, Dufour qui est accusé du meurtre et donc euh, on apprend Il est surnommé le Führer dans le centre d'apprentissage de boulangerie qu'il intègre à 14 ans. Donc vous voyez le cheminement. Et euh, on a trouvé des symboles nazis sur une clé USB lui appartenant. Il porte des tatouages avec des slogans nazis et il est fasciné pour le Troisième Reich. Et le white power voilà quelqu'un qui a été bien 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 endoctriné bien comme on dit bien radicalisé et euh... donc il, il s'est plaint d'avoir subi pendant 15 mois de détention provisoire euh, les violences des violences de la part de ses codétenus qui savaient qu'il était qui il était et qu'il a fait six mois euh, d'isolement donc son contrôle judiciaire lui interdit de contacter euh, certains membres et Justement, vous voyez comment euh, ça a commencé. C'est que comme Morillo, il rejoint le mouvement troisième voie à 19 ans via le bar, le local. Voilà, voilà. Donc pour finir avec cette affaire, il convient de préciser que euh, donc le euh, morillo avait... Reconnu deux coups portés, mais euh, Dufour a toujours nié. Donc, c'est là qu'il dit La détention, j'ai vécu ça comme une injustice. Moi, j'ai jamais frappé Merrick. En prison, ça ne se passe pas bien ostracisé par les autres détenus, il est exclu de la salle de sport, les autres ne voulaient pas de moi. Ils l'ont dit aux surveillants, ça a fini en bagarre, j'ai passé dix mois à l'isolement. Donc lui déclare qu'il n'a jamais frappé euh, Merrick. Mais bon, c'est ça, quand tu fais partie d'un groupe, le danger il est là, c'est que tu n'as pas le contrôle après. T'as pas le contrôle et là tous les jeunes devraient se méfier, que ce soit ces, ces jeunes- là ou tous les, ou les autres jeunes qui suivent euh, les, les agents secrets qui se présentent sous la forme de religieux. De toute façon le système, si vous voulez les amis, le système nous étrangle tous et toutes et particulièrement les jeunes tellement, il nous embarque tellement, euh, encore une fois, tout ce qui est euh, drogue, euh, petite délinquance, etc., pour qu'ensuite, euh, lorsque vous cherchez, lorsque vous, vous avez toutes les portes fermées, et eh bien, vous avez euh, ce, cette, euh, euh, cette main. Euh, cette main fausse bienveillante qui vient vous soigner qui vient vous aider qui vient s'intéresser à vous mais c'est pour encore une fois récupérer votre confiance et pour ensuite euh, vous embarquer euh, dans des dans des scénarios et dans des lieux et dans des horaires et dans des plans euh, dont vous n'avez euh, vous n'en avez aucune connaissance et surtout vous n'en aurez, euh, aurez jamais le contrôle. Euh, J'aimerais 1h30. J'aurais voulu parler de l'Algérie, euh, de Pompéo. je vais passer directement à trois infos alors je vais vous passer un condensé de choses qui se sont passées aujourd'hui alors je vous montre pas la source parce que sinon ils vont vouloir me censurer on va on va écouter ça Il n'y aura plus de twist à Saint-Tropez. Le Dick c'est mort cette nuit des suites d'un cancer, décès le jour des 74 ans de celui qui s'appelait Hervé Fornemi. Une trentaine d'albums, 50 ans de carrière, commencé au début des années 60 avec le groupe Les Chats Sauvages. Soupçon de fichage de gilets jaunes dans les hôpitaux parisiens, le Canard Enchaîné publie des extraits du document polémique. L'hebdomadaire satirique révèle que ce fichier comporte des données relevant du secret médical. Les autorités sanitaires de leur côté ont démenti fiché des gilets jaunes blessés lors des manifestations figure des Gilets jaunes, annonce prendre une pause avec le mouvement. Message sur Facebook. Il justifie sa décision par la fatigue, les menaces et les insultes reçues par lui-même et sa famille. Tout n'est pas fini, mais là, je suis à bout de mes forces, écrit-il sur le réseau social. Marc-Olivier Fogiel quitte RTL. Il est officiellement nommé directeur de la chaîne d'info en continu BFM TV en remplacement d'Hervé Bérou. Et le journaliste Thomas Soto remplace Marc-Olivier Fogiel dès la saison prochaine au 18-20 de RTL. Cyril Hanouna arrête dès demain son émission de débat Balance ton poste sur C8. L'animateur promet un retour plus régulier en septembre, en deuxième partie, mais aussi en prime. La raison avancée par l'animateur, les ponts de mai, puis la compétition de tennis, Roland-Garros. « Ma colère est immense. Laura Smet promet de se battre pour son père Johnny Hallyday. La fille du rocker décédé dénonce ce matin sur Instagram les mensonges. Elle écrit que tout n'est que manipulation et déplore les jeux répétés et pervers qui durent depuis plus d'un an. La comédienne est engagée avec son frère David dans un long conflit judiciaire avec son ancienne belle-mère Laetitia sur l'héritage du rocker disparu. Minute papillon, rendez-vous ce soir 18h. Voilà, les amis. Elle, Laura Smet, elle manipule Smet, elle manipule à son tour. Alors moi, je, bien entendu, je soutiens les enfants biologiques, bio, mais euh, Laura Smet, euh, elle s'affiche dans euh, n'importe quelle euh, propagande officielle, euh, les, les clips euh, manipulatoires de, de lutte contre l'homophobie. Euh, et elle est de toutes les causes, euh, encore une fois, de la euh, du système. Et vous avez entendu que BFMVC, euh, au lieu, au lieu, <laughs> au lieu d'avancer dans le bon sens, au lieu de, de quitter euh, la les WC, eh bien, ça va empirer avec euh, Marc-Olivier faugiel qui est tout simplement euh, des VC euh, publics. Alors, un petit cadeau, euh, si vous ne l'avez pas vu, les amis, euh, lorsque Macron était donc euh, au au Touquet euh, le week-end dernier et eh bien sachez que CNews a pratiqué du, des trucages comme France 3 l'avait fait avec la pancarte Macron dégage CNews a diffusé des images d'il y a un an de 2018 donc là CNews a fait passer des images Alors, je vais vous donner l'exacte date de mars de, des images de mars 2018 comme étant euh, ce qui s'est produit le 21 avril 2019 c'est à dire le week-end dernier avec les images qu'on a vues de euh, macron au touquet et l'indice il est simple donc je vais <coughs> je vais vous montrer la vidéo là où nous avons un trucage flagrant et euh, bien entendu, CNews a supprimé, de... CNews a supprimé la scène euh, de tous les euh, réseaux sociaux. Alors, regardons. Je me demande si je ne devrais pas couper le sang. Même en tenue de sport et en vacances, il se prête au jeu des photos. Emmanuel Macron est arrivé samedi soir au Touquet. Où il a rejoint son épouse dans leur maison familiale pour le week-end pascal. Après avoir suivi depuis l'Elysée la 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes, le président de la République s'offre un peu de repos. L'occasion pour certains habitants de le. Vous l'avez vu l'indice, les amis C'est que regardez sur ces images, il y a Benalla. Donc c'était. C'était il y a un an. Ils ont joué, ces salopards, ils ont mis des images d'archives. Vous vous rendez compte Ils disent la 23 e journée donc des Gilets jaunes, l'acte 23, il y a Benalla sur les images. Et on voit justement, c'était même bizarre, on s'est tous demandé comment ça se fait qu'il n'y a personne qui l'interpelle, comment ça se fait que les gens ils sont souriants. Eh bien, c'est des images d'archives. Regardez, il est là, Benalla. S'offre un peu de repos l'occasion pour certains habitants de le croiser. Je l'attends toute la journée, parce que j'ai de l'admiration, j'ai voté pour lui, et j'ai je, je, de la sympathie envers lui. J'ai eu la chance de pouvoir lui serrer la main, j'ai eu la chance aussi de pouvoir échanger des mots avec lui, donc euh, je ne dirais pas que euh, je suis content, euh, mais je suis satisfait de, de cette opportunité, surtout de ce heureux hasard. Donc forcément... Si tu mets des témoignages avant qu'il euh, qu soit décomposé au bout de 23 semaines de gilets jaunes, forcément tu peux obtenir ce type de témoignage. Donc comme euh, France 3, bien entendu, euh, la chaîne a dit que euh, c'est euh, une erreur humaine. Bien entendu. Et là on nous dit c'est l'erreur humaine d'une jeune journaliste pigiste. Franchement, euh, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, euh, ils peuvent virer qui ils veulent. Euh, moi je les crois pas une seconde, c'est comme France 3. Euh, comment nous on a le droit de faire aucune erreur et comment eux ils se permettent de manipuler et ça passe tranquille. Personne ne rend jamais de compte. Il y a le CSA qui fait son, son boulot, mais d'une manière... Euh, magnifique exemplaire euh, on va finir il y a tellement d'autres choses que j'aurais voulu vous montrer mais là ce n'est plus possible euh, deux informations donc pour rester dans ce que je vous disais comment on rend euh, les paires cinglées et là vous pouvez aussi les amis mettre dans ce cas de figure il y a tellement de gens à mettre dans ce cas de figure vous pouvez mettre dans ce cas de figure les amis un certain Ramous. Ramous est extrêmement nocif à toutes les causes y compris aux causes des pères mais lui même s'il est cinglé comme il est c'est que il est privé de, de ses enfants et en revanche pour ce qu'il dit du fait du comportement de la mère de ses enfants avec lui, c'est tout à fait vrai. Il n'y a qu'à voir comment elle se précipite dès qu'il y en a un qui veut le démolir pour être présente et pour le salir et pour euh, ne, ne, ne rater aucune occasion euh, pour le, le piétiner quand il est à terre. Donc euh, voilà, mais il est très mauvais, il est très maladroit. Euh, je veux dire, il est du point de vue de la méthode qu'il utilise avec euh, ses orchestrations, etc. s'il est indéfendable, mais euh, il faut voir la réalité c'est qu'il est privé de ses enfants et qu'il a cru que c'était la bonne méthode. Et là, il est en train de tout louper, mais euh, effectivement, il ne sert pas du tout la cause des pères. Mais c'est pas pour autant qu'il faut encourager. Euh, une manipulatrice, une aliénante, euh, à accomplir sa sale besogne. Et là, on voit, comme je vous ai dit, ça arrive tous les jours, les amis. C'est le système qui fabrique ces drames euh, concernant les hommes et les femmes, parce qu'au final, le système euh, manipule et courant Corrompt intellectuellement les femmes qui finissent dans quelques cas euh, finissent dans quelques cas agressées ou tuées euh, par par ces pères ces hommes qui euh, se sont sentis et là je bien entendu je euh, je n'excuse rien hein mais qui, pour le coup, euh, je pense à tous les pères et tous les hommes qui n'ont commis aucun acte répréhensible, euh, et qui euh, se sentent injustement traités par la justice, mais qui, eux, n'ont jamais franchi le cap, comme votre serviteur. Donc à Lourdes, euh, c'était donc hier, un homme armé a retenu plusieurs personnes, mais lui, euh, il était plutôt intéressé par son ex-conjointe, donc elle l'a fait condamner. Il y a aussi, vous pouvez aussi euh, mettre dans le même sac le cas de Fly Rider, Maxime Nicole. Voilà un homme qui a été condamné euh, pour séquestration, etc., par euh, la mère de sa fille, par son, par sa copine, pour ensuite qui euh, qu'il nous dise que la juge a été clémente avec lui et pour ensuite qu'aujourd'hui, il est encore avec elle euh, c'est sa manière à lui hein, je ne je trouve, trouve pas ça très très intelligent c'est sa manière à lui de de rester de garder ses, ses liens avec sa fille et de de ne pas se faire écarter de ses enfants je pense que c'est la plus mauvaise euh, le plus mauvais des choix. À la limite, si je devais choisir, je, cho je choisirais euh, le choix du catastrophique Ramous. Donc, euh, l'homme a tiré des coups de feu vers, vers, euh, vers l'extérieur. Il a été interpellé, non blessé. Et donc voilà. Euh... Ça s'est passé donc dans l'appartement de son ex-femme donc euh, voilà ça avait fait grand bruit beaucoup en pensé euh, beaucoup ont pensé à un attentat comme euh, la, la ville c'était lourde mais voilà encore un cas de désespoir suite à un traitement judiciaire disproportionné ou en tout cas déséquilibré euh, sur cet homme par rapport à son ex-femme. Euh, on finit sur ce cadeau supplémentaire qui vous prouve qu'il y a le gros derrière euh, tout ce qui se passe, tous les attentats y compris Notre-Dame. Donc je, là j'ai nommé le gros Groland. Groland avec sa femme ou sa fille, filleule ou je ne, je ne sais pas. Appelez-la comme vous voulez. Euh, Anne Hidalgo, la manipulatrice qui euh, s'est à maintes reprises servie dans euh, les fonds publics. Et là vous voyez cet article du 14 février 2017, c'est-à-dire au moment... Où euh, Hollande n'était plus candidat, où son règne catastrophique était terminé, et eh bien, il a fait beaucoup de choses, hein. entre autres, de mon point de vue, il y est pour quelque chose dans la création de cette association de fans d'automobile de laquelle fait partie. Eric Drouet et qui a euh, contacté donc euh, Priscilla Ludowski pour l'encourager à faire sa pétition. Donc cette association a été créée il me semble en mars 2017. Et euh, vous savez que je ne crois pas au hasard, surtout avec le gros. Donc je, Hollande joue les architectes. Un beau projet, mais trop tard. Ah ben non, en libération, tu vois bien. Qu'il a jamais abandonné le gros. Il a, il veut quand même l'accomplir son projet. Donc on nous rappelle euh, que le projet est suspendu à la prochaine élection présidentielle. Bon bah ça c'est fait. On sait que c'est le, le, on sait que c'est le l'enfant Macron tenu par euh, sa mère qui est sa femme et par le gros Groland, et par plein d'autres personnes. Mais aussi on nous dit que c'est suspendu à la candidature de Paris aux Jeux olympiques 2024 que, que vous savez depuis en été euh, cette candidature a été euh, remportée. Ou en tout cas euh, Paris, il faudra que je vérifie. Paris est, est bien candidate. François Hollande cherche-t-il à laisser sa trace dans la pierre À deux mois de quitter l'Elysée, le président normal s'inscrira-t-il dans la ligne de Georges, la lignée de Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand Vous voyez. Le bel héritage de François Mitterrand, la pyramide du Louvre. Jacques Chirac. Et donc, euh, beaucoup de choses, y compris, donc vous voyez, je vous en avais parlé, un grand parvis en verre devant Notre-Dame de Paris. Ah bah, avec les protections des classements de patrimoine, que ce soit français, en France ou à l'international par l'UNESCO, ça aurait été impossible, en tout cas dans les temps. Et là, on vous le répète, la partie la plus spectaculaire est également en vert. Le parvis de Notre-Dame, à travers lequel on pourra apercevoir la crypte et les fondations archéologiques de la première cathédrale. Cet aménagement aurait lieu à la place de l'actuel parking souterrain ce qui évitera de creuser encore un peu plus ou d'augmenter les risques d'inondation. Donc, je pense que les jeux sont déjà attribués. C'était le 24 septembre. C'est bien, je prends pas de risque euh, lorsque je l'avais dit. Ce qui est génial, c'est que euh, on explique que le chiffrage à ce stade de, de cette vision en 2040 n'a pas été envisagé. Bien entendu, le financement ne faisait pas partie de la commande de François Hollande. François Hollande, vous savez, le, tout le mal qu'il a avec les budgets et son insincérité légendaire. Voilà, allez. Ça a été un sacré live. 1h50, les amis, je vais vous saluer. Euh, bonsoir sur VK, Danton Kawa, comment tu vas Ça va, tranquille, et toi Bonsoir sur YouTube, Did Mouslim, comment tu vas Sur YouTube, Valana, bonsoir, toujours fidèle, frérot. Bonsoir, Asya Marie, sur Facebook, merci pour ta fidélité. Bonsoir, Moez Nahali, bonsoir, Alam. Euh, bonsoir, Francis CH sur VK Max Mondog sur Facebook euh, Olga Santos sur Facebook. Euh, euh, un troll sur youtube sl36nk donc je t'ignore ne lui parlez pas vous perdez votre temps avec lui martine de la sur facebook bonsoir il va falloir que je le bloque ce sl3 colette del bonsoir sur facebook Oud Salim, bonsoir sur Facebook. Lisa Gallio, bonsoir. Tony Nero, bonsoir. Je ne peux pas vous lire les amis. Phoenix Anonymous sur VK, bonsoir. Euh, Dawidi Rossasser sur Facebook, bonsoir. Joachim Geronimo Lario sur Facebook, bonsoir. Et puis... Toutes les autres et tous les autres, euh, je vous dis, euh, je vous salue. Je vous souhaite une très bonne nuit et on se retrouve demain. Maintenant que j'ai fini la majorité des choses que je voulais vous passer, demain on, pourra, on va pouvoir débriefer euh, Macron. Euh, et vous avez vu qu'on a réussi à débrancher beaucoup de monde, outre Jacqueline Moreau, euh, on a réussi à débrancher euh, Drouet. Encore faut-il qu'il le fasse vraiment cette fois-ci, parce qu'il a déjà dit plein de fois qu'il a enlevé le gilet jaune, qu'il l'a arrêté. Là, tout ce qu'on lui demande, parce qu'il avait dit, il a dit là dans la dernière vidéo, qu'il euh, va aller, euh, il reste, il va y aller sur le, les manifestations, mais qu'il euh, le fera de manière incognito. D'accord? Euh, moi je suis pour, mais euh, en revanche, je demande qu'une chose c'est qu'il se débrouille pour pas se faire arrêter et pour ne pas euh, éclipser la cause avec ses multiples frasques et multiples buzz. Donc tu peux aller sur les manifestations incognito tu peux ne plus t'occuper euh, de représenter les gilets jaunes on te demande ceci depuis le début. En revanche, euh, il faut te débrouiller aussi pour ne plus jamais te faire arrêter, mon gars, et plus jamais faire parler de toi. Euh, D'ailleurs, les amis, je vous le montre parce que vous savez que euh, je suis ici pour vous donner des informations. Donc même si même si je n'ai aucun problème avec euh, anti-imposteur, en tout cas pas personnellement, peut-être avec certaines de ces de ses idées mais j'ai beaucoup moins de problèmes avec lui qu'avec euh, Jérôme Rodrigue Drouet Maxime Nicole et tous les autres mais juste pour vous montrer le vice le vice d'Éric Drouet c'est à dire euh, avant de poster euh, sa vidéo où il annonce encore une fois qui qu en a marre qu'il se dégonfle qu'il abandonne et c'est ce qu'on veut justement qu'il dégage eh bien, euh, il a montré le visage de euh, anti-imposteur. Salut, je vais vous expliquer c'est quoi la, la représentativité en fait. En, 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 il faut le sentir pour l'expliquer. Donc, euh, la représentativité, c'est voter sur. Euh, sur euh, je parle de la démocratie représentative, c'est voter sur l'émotion. C'est voter pour un candidat, c'est voter pour une personne. Et euh, là, les gens, ils ont voté sur l'émotion. Et voter sur l'émotion, vote, je vais vous montrer ce est voter sur l'émotion maintenant. Les, voter sur l'émotion, c'est comme ça qu'ils qu vous arnaquent. c'est voter sur l'émotion, voter sur la représentativité. la représentativité, c'est le cinéma. et en fait, non, il ne faut pas d'émotion. donc, la seule démocratie possible, c'est euh, la cyberdémocratie. voilà. c'est le programme qui, euh, qui remplace le programme d'un candidat. mais avec le... voilà, les amis, je vous souhaite une bonne nuit. et je vous dis à demain soir, comme d'habitude, parce qu'il en va de ma sécurité à moi aussi. bonne nuit.